Il y a un autre cabinet constitué pour deux, trois autres journalistes. Et nous-mêmes, au niveau par nous comme avocat, nous avons défendu Vincent Joinville. Et hier, nous plaidons un habeas corpus préventif. Ça veut dire qu'on y a un plan d'ordonnance. Qui s'en demande, parce que je vais expliquer clair, le DCPJ demande pour mettre mandat d'amener des journalistes. Donc, c'est une violation du droit à la libre circulation. Et c'est l'article 7.6 de la Convention américaine des droits de l'homme qui bon possibilité, qui bon provision légale pour intenter action ça devant doyen. Donc, j'en ai dit là, menace d'émission de mandat contre les individus, contre les journalistes indexés. Donc, ça a empêché les journalistes de circuler le papier. J'en garde. À n'importe moment que vous arrêtez. Mais sinon, sans ça, nous-mêmes, qui techniciens, qui esclaves de la loi, avant nous faire action, nous consulter les droits humains, de qui vient faire que je dis là, nous faire action en habeas corpus préventif. Ça permet que les reprennent le droit pour circuler librement, mais ça ne va pas dire que c'est fini. C'est-à-dire, là, l'ordonnance est sortie. Admettons que le droit est allé dans le même sens avec nous. Il dit à mon cher, il y a une détermination, il m'a dit sur soi, il y a une détermination contre le journaliste. Donc ça permet que le journaliste prenne la route correctement. Mais, j'en dis moi, le dossier est pas devant le cabinet d'instruction. Parce que son dossier qui est tellement lourd, son grand ensemble de noms à donner, donc ça va être chargé. Vous mettez enlèvement, assassinat, crime, etc. Un paquet de factions que vous mettez, malheureusement, ils ont indexé le journaliste. Mais ma banque en deuxième information, parce que dernièrement j'ai annoncé sur mon Twitter que pendant ma faire habeas corpus préventif là, pour journaliste Vincent Joinville, mes dossiers à cabinet. Et si un n'est pas changé, regardez bien, si un n'est pas changé, c'est le juge Merlin Bilabre qui va le gagner pour instruire aussi ça. Parce que l'offre habeas corpus, ce sont des questions de forme liée, c'est ça qui a un rapport à menace de liberté individuelle. C'est ça qui a un rapport à violation du droit à la libre circulation. Maintenant, nous-mêmes, nous faisons, c'est nous qui permettre que le doyen, permettre que le journaliste reprenne le droit pour circuler tranquillement. Mais pendant que l'ICA circule tranquillement, ça va empêcher le parler devant le juge Mélan Bélabre, parce que nous n'avons pas qu'à nous cacher tout le temps. Et c'est nous-mêmes, et c'est Bataille, ça nous a fait comme avocat pour permettre que Vincent Joinville joue un droit pour circuler librement. Et le dossier a été hier, donc nous avons été confiés que le doyen va le faire droit à demander non, parce que il constate effectivement qu'il y a une violation du droit fondamental, du droit à la libre circulation. Donc, dans ce moment-là, la presse a proposé une ordonnance qui sortit par rapport à l'action en habeas corpus préventif une démission. Mais puisque le dossier a été de notre côté, qui est un cabinet d'instruction, ça veut dire que c'est le juge Merlin Bilabre, si il n'y a pas changé, qui a désigné pour instruire le dossier ça par devant le cabinet. Parce que quand pile le monde, que aussi de là-dedans. Donc, que tu es habeas corpus préventif, que tu es devant cabinet d'instruction, donc nous-mêmes comme avocats, nous-mêmes au niveau cabinet avocatif, nous avons toujours accompagné valablement et Vincent Joinville pour le présenter devant une juge d'instruction. Mais tout le monde a cherché possibilité pour qu'il circule le mouvement. En fait, pour Vincent Joinville, nous avons caché, donc nous avons essayé de gérer ça avec qui sont habeas corpus préventif. Donc, nous avons essayé de prendre une ordonnance pour que nous signifions dans la commission gouvernement pour que nous signifions dans son bail et DCPJ pour permettre que les citoyens reprennent le droit pour circuler librement sur son territoire national. Alors, généralement, médecin avec avocat aussi de bagaille ou bien tout par exemple, dans la discussion avec Vincent, je vous dis que c'est pris en parle dans le dossier A, vous dites son dossier qui loue. Ça que tout par rapport avec l'accusation, est-ce que c'est accusé le fait qu'on a couvert le dossier ou bien quel est l'autre rapport qu'on a développé avec monsieur qui est en ville? Bon, et même j'attends pour plus le journaliste, il dit qu'on a couvert des entrevues et le et ça qui s'appuie, c'est que il y a des gens qui ont l'air pas capable. Il y a des gens qui ont l'air pas capable. Imagine un artiste par jour côté, il dit à ça, il recevra un appel, il dit regardez un tel, mieux on vient de jouer tel côté moi. Ah, moi je ne suis pas venu, non? Non, je ne suis pas venu, je ne suis pas chaque jour. Très dit, c'est un Google ça, je lis. Mais lui-même, il n'y a pas l'affaire clair, il dit qu'il m'a traîné lui-même, c'est ce travail à faire. Et malheureusement, il a vision de lui-même. Alors, l'autre journaliste, pareil, il a une vision de lui-même comme un
tout à fait partie de du bon criminel. Donc, nous même comme avocat et sans affaire, c'est là où nous cacher des lois qu'on fait. Donc procédure en fait, mais une chose est certaine, ça que ça me voulait insister sur lui, c'est que nous avions plaidé la habeas corpus préventif. Alors, on nous sortit la habeas corpus préventif, ça les avait arrêté. Dans plusieurs prises de parole, ou toujours qu'on connaît pour quitter, si toutefois, ou t'as vu une preuve qu'un journaliste lit des rapports avec gang ou a désisté. Il y a des gens qui ont une forme d'inquiétude que vous avez dans le dossier qui font des vols. Non, alors, écoutez. Ça qu'on arrive à défendre un monde depuis l'arrivée devant le tribunal, c'est l'heure de la bête intérieure. Oui, ça qu'on arrive. Vous sentiez ou qu'on a comme ça? Non, on ne pas sentir comme ça, mais pour lancer mise en garde là. Tout parce que moi-même, je fais travail avec eux, je ne suis pas percevoir nous dans mes journalistes, je ne suis pas touché. Donc, moi, même si je suis sincère ensemble avec là, je suis sincère avec tout, bon vérité. Puisque lui-même dit, je vais mettre avancé, donc j'avance. Vous savez que je vais faire pour n'importe qui. Et si je vais découvrir que la bonne menti, je suis désolé, publiquement, je vous dis que j'abandonne. Parce que moi-même, je crois dans l'état de droit, je crois que vous avez fait un travail. Un travail que vous aimez, un travail que vous voulez faire et un travail que vous voulez vivre. Donc c'est extrêmement important. Donc si nous découvrons que nous sommes bons criminels, nous associés à ce malfaiteur, nous disons, et pas bien que, ou bien vous avez une entrevue, vous avez une entrevue, vous avez une entrevue pour une fois, ou bien vous avez une. Mais si vous avez l'habitude d'aller, à manger, à la blague, à payer le cas, à faire ce que ça va journaliser, parce qu'on l'a dit. Est-ce que vous dites que vous appel au monde quand vous recevez le pacte à refuser? Oui. Est-ce que vous arrivez que vous journalistes quand vous recevez le appel de mieux lancer sur le pavillon? Oui, tout le temps. Bah, non, tout le temps. Oui, nous comptons des femmes mouillées sur le pavillon, ils me le vont. Est-ce que vous êtes là pour deux jours? C'est même si vous êtes un artiste, vous êtes là, vous avez besoin de jouer là. Oh non, papa, je vais. Mais écoutez, l'État ne protège pas. Est-ce que ça a quelque chose? Même pas cautionné, même pas dit. Et c'est peut-être c'est sécurité pour mettre dans le pays hein, pour ça va arriver. Parce que qui est à l'abri? Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Qui est à l'abri? On va passer là, il y a un tension, il y a un autre loup. L'État, même policier, vous n'êtes pas à l'abri. Il y a un policier là, il y a 13 balles. Et vous, c'est parti, il y a une famille. Hein. Personne n'est à l'abri. Donc voilà pourquoi moi m'encourage les journalistes. Peut-être que son belle profession, la profession de journaliste, mais faites-le avec conviction. Je me toujours un petit conseil tout. Je ne vais pas mettre mon donneur de leçons. Peut-être pas j'ai fait views, mais font un travail efficace, objectif. Parce que forme toujours envie d'en dire. Parce que je ne vais pas le link là, mon link là, à mon cher, il n'est pas fondé. Même là, il dit que on va le faire 50 000 vues. Son vidéo, mais contre qui impact ça va le faire? Parce que ça a le karma, il s'appelle réponse de la nature dans le retour. Donc, on ne parle que et ça arrive. Même toujours dire, nous mettons comme si il y a des détracteurs journalistes qui ont parlé mal. Nous sommes toujours sur voir avec cœur ouvert dans le cabinet n'a pas jamais fermé aux journalistes. Bon, c'est Emmanuel Monpo qui a fait maintenant une campagne de dénigrement pour dire que ceci, mais que cela. La bataille continue, je m'a toujours défendu nous, je m'a toujours défendu sa plus faible. Et m'a toujours défendu les journalistes que vous parlez mal, que vous parlez mal. Et dernier point pour finir, c'est ça qui a un rapport à la question de relocalisation tribunal. Et là, pour que ces derniers temps, cadeau. Et moi, toujours un plaisir de vous remercier tous les journalistes, les médias, nationaux ou internationaux qui font déplacement pour venir couvrir une conférence de presse que le cabinet advocatus a cadeau toujours à bail. Dans la conférence de presse, nous allons parler de 4 points. Premier point, c'est partager avec la presse niveau avancement, dossier 5 journalistes, plus précisément dossier Yvenson Joinville, comment ça y est et comment ils sont habillés à corpus préventif là. Et deuxième point, c'est parler, puisque nous avons fait un tweet, côté de dit que le dossier est un cabinet d'instruction, qui juge va désigner un des dossiers. Troisième point, c'est annoncer que le gouvernement prend disposition via Mené Justice pour relocaliser par la justice. Donc nous-mêmes nous connaissons dans le niveau cadeau, nous avons toujours parlé de ça. Nous avons une première victoire en disant relocaliser le tribunal de Pédelma. Maintenant, il revient autour du tribunal de première instance de Port-au-Prince qui va relocaliser. Et quatrième point nous finissons, c'est question qui a rapport à un bureau d'état civil d'Elma. Et nous connaissons ça qui a trait à
état civil, la justice pays, il y a une grosse difficulté dans le moment. Plus précisément, l'état civil qui est dans la commune d'Elma. L'état civil qui est dans la commune d'Elma, il était dans le tribunal de paix d'Elma. Et bandit a incendié le tribunal. C'est-à-dire, nous avons bataillé pour demander la relocalisation du tribunal de paix. Il a relocalisé le nom local qu'il a proposé. C'est bien. Maintenant, gagner bio-état civil. Qui c'est bio-état civil? Bio-état civil, c'est une institution qui est par la loi. Et c'est le président de la République qui nous met. Il a une importance capitale que il joue un rôle capital en dans la société pays. C'est lui qui fait reconnaissance, c'est lui qui fait de reconnaissance, c'est lui qui fait certificat. C'est lui qui a enregistré l'acte de naissance, c'est lui qui recevra la déclaration de mère si mon fait, c'est lui qui recevra la déclaration de père si mon fait. Et dans le moment où je parle là, sur 10 femmes qui ont accouché en dehors de la commune d'Elma, il y a 9 qui n'ont pas fait baptiste de Timoun. Pour qui ça? Parce que le bureau état civil d'Elma n'est pas local. C'est-à-dire pas de côté pour mettre employé, pour mettre officier d'état civil. Puis on mettait l'autre personnel. Et dans ce moment-là, un monde qui a accouché, pas qu'a fait Tim, pas qu'a fait baptiste. Donc ça fait plus de 6 mois. Il y a deux Timoun qui a gagné 6 mois qui vont jamais gagner de naissance. Ça veut dire que ça. L'autre Timoun pas gagné de naissance, l'État pas reconnaître. Ou son saint individu qui fait en dans la société. Maintenant, de point de vue juridique, ça va en plus problème tout parce que si il y a des droits Timoun qui a joué, le fait que le pas de naissance, il ne peut pas jouer. Par exemple, on a un ensemble de parents qui quittent et qui bon bien, qui quittent et qui bon terrain, car, etc. pour Timoun. Maintenant, le fait que Timoun n'a pas de naissance, ça a fait le perdre tout bien ça. Il n'a pas qu'à héritier. S'il n'a pas qu'à prouver qualité, s'il n'a pas qu'à prouver que c'est petit et tel, donc ça a fait le perdre un paquet de privilèges. Donc je dis à nous, au niveau cadeau, à cabinet avocatus, nous attirer attention. D'ailleurs, ma patrie c'est directement à ministre de justice. Non? Ma patrie c'est également à DAJ, directeur judiciaire dans le ministère de justice, pour nous dire que dans ce moment-là, officier état civil d'Elma, pas de chaise, pas de côté pour loger. Le monde d'Elma, pas de côté pour aller faire de naissance. Et il y a un problème. La loi sur la question de l'état civil dit depuis que tu as joint un officier d'état civil a fait un acte de naissance pour un petit monde qui n'est pas fait dans la juridiction, il n'y a qu'à poursuivre pour ça. Il n'y a qu'à arrêter l'officier d'état civil. C'est-à-dire que côté de petit monde en fait là, c'est dans la juridiction de fait là, c'est là pour faire une naissance. C'est-à-dire le fait que petit monde en fait d'Elma pour faire courir le acte de naissance section sud, parents ou des familles qui ont décidé de poursuivre l'État pour ça, parce que c'est l'État qui se pose une garantie, pour dire, écoutez, bon, m'a fait tout ça capable pour me permettre que le bureau état civil d'Elma fonctionne. Et je dis encore comme avocat, qui a défendu le monde, nous pensons que son bataille est assez intéressant parce que faut que l'État ne pas suspendre violer le droit à l'État civil. Tout le monde y a droit, toute femme enceinte. Tout parent a le droit pour faire acte de naissance devant un bureau que l'État a mis qui est le bureau d'état civil. Bandit pour le tribunal là, bureau d'état civil là, pas de côté pour loger. Et officier Jean-Noël, que je salue, donc a parlé de ça longtemps. Donc situation compliquée, nous même dans le niveau cadre, mettre Anel Rémy, tirer sonnette d'alarme pour nous dire mes amis, permettre que le bureau d'état civil là, joigne au local pour tenir. Et deuxième point, ça a un rapport à dossier journaliste qui ont été indexé dans le rapport de CPJ. Et dossier avancé.